qui est en finale loser qui va avoir le droit d'affronter les deux intérêts qui sont en finale lune. Ouais. C'est reparti. Il y a Maton Gaël. Cette fois-ci, le Gaël. Ils ont très bien, donc c'est les anti-air. C'est Coulambo. Walid, il n'est pas tombé contre. Car c'est Dieu qui fait. Voilà. Allez Walid, voilà. Ah ouais, mais le Gaël, il joue bien avec le Gaël. Elle a roulage. Voilà. La baïette. Le RC, c'est le coup. Très bien vu ça. Lui, c'était dangereux. Et ce Gaël, ce Gaël qui s'est pris 3-4 coups, qui est très très mal et ça va arriver. C'est l'arbre garde. Voilà, voilà. On s'en passe partout. Cette roulade de Gaël. Ah non, non. C'est fini. Zéro frame. Il fait mal au moral. Voilà, voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. Le Craig qui a l'avantage de Gaël, mais qui est très très mal au point. Allez. C'est parti, voilà le saccage. Le saccage. Il ne doit pas rentrer. Il ne doit pas rentrer dans le game. Gaël, voilà le petit fait tout ça. Elle va au point. Remise des compteurs à zéro. Et encore une fois, petit avantage pour Broken et ses deux bras. C'est Wilma, très bien vu, il y a Ration de Scoy. Voilà, Walid, Walid. Voilà, ah ouais, Ration de Scoy pour traverser la boule, super. Ah, ça rate les combos, des deux côtés. Très bien vu cette décision. Alors, il y a cette équipe, ça part du gain. Par contre, il n'y a pas de dégâts de la plage. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, le Sagat a pris une bonne option. Il ne faut pas qu'il ait sa passion. Attention, aïe 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 aïe. Oui. Alors Sagat qui a perdu sa barre de level 3. Mais il est encore dans la course. Dani. C'est le Camille qui a été divine tout à l'heure. Voilà. Ouais, mon collègue qui est très patient. Ouais, la pression. Pas suffisant. Vous voyez, voilà, la choc. La barre de garde de Camille. Bien vu, il a mis la garde. Pensez à la jury. La barre de garde va. La punition. Dommage, il a envie de courir avec. Un vrai bout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout ce qu'il peut gratter, c'est à l'avantage. Et s'il peut faire défoncer la barre de super à la Camille, c'est tant mieux pour lui. Pour le moment, on va aller tous les faire parfaitement bien. Et c'est bien repris, c'est bien remis dans le match. Voilà, les gars, attention, il faut passer dans le point. Oui, oui, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a dû rater dans l'air, mais il ne faut plus y penser. Tu as une demi-barre d'avance sur ton adversaire. Et là, voilà, c'est pas grave, allez. Voilà, faut être fait des fois. Voilà, le blocard se replie tranquillement. Oui, voilà, voilà, voilà. C'est Wally qu'on est, c'est Wally qui est basique. Pas besoin de faire le foufou. Oui, c'est électricité. Ouais, bienvenue, le Ragon en action. Et voilà, il est sur le chapitre. Allez. Et un petit mixé. Et ouais, parce que ça avait plutôt bien marché au premier match. Voilà, bien vu. Ouais, c'est pas grave. Voilà, il y a un le follow-up de son combo dans la gare. Et qui se défend mieux. Et là, je suis fait dans la peau. Voilà, le décalage, le gagne. Le gagne, moi tu pars déjà. Allez, on va broter, on va falloir se reprendre. Ouais, 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 ouais. Bien vu, tout s'est relevé. Il n'y a pas trop de pif. Oui, Broken qui fait le choix de faire un provoque pour... Oui, voilà, c'est pas si c'est gardé. Oh.
dire, c'est une phase de Jack parfaitement. C'est une phase bretonne. On a tous mangé un jour de Walid et on l'a rasé avec notre site. Allez Walid, allez Broken. Ouais, c'était bien vu ça. En prévision du Doskoï. Ouais, merci Doskoï. Voilà, sans froid de la part. Ouais, 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 ouais. Allez. Décalage shot sont garantis sur Mr. Broken, j'ai l'impression. Pas démonté et pourtant il est très très mal au point. Allez Walid, faut rien lâcher, faut rien lâcher. Mais Broken, t'as très très bon mental, voilà, malgré son retard, voilà, il utilise ses Doskoï. Et ouais, RC, ça avance tranquillement. Attention, attention à ne pas s'emporter. Voilà, le Doskoï encore une fois. Hey, hey, voilà le décalage, attention, c'est trop bien. Oh, vous avez vu, vous avez vu, oh là là. Mais la souris. Et le FC. Ah, non, non. Et vous avez vu, hein. Vous avez vu, quel mental. Il avait quasiment une barre pleine d'avance. Et pourtant, Broken réussit à bien gratter Walid, qui s'en veut. Et qui en avance, qui ne doit pas l'oublier. Voilà, allez, on va revoir la même chose que tout à l'heure. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est possible. Une petite escroquerie qui s'appelle. Ouais, ouais, ah. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Attention, Wally, qui est un peu faible de se faire gratter. Voilà, et le trade qui est pour Camille. Il va récupérer grandement ça là. Et donc un élément d'acticité très bien débrouillé, qui avait compris le clé du versus. Ah, ça confirme pas les fouilles, heureusement. Oh là là, dommage. Le whiff. Ah, le blanc a tout compressé. Et on peut filmer toujours pas le combo. La stun. Bravo. Et donc c'est Broken qui attendra en loser nos amis japonais. Alors, j'appelle sur scène King de Busan et Elisabeth Busan. Thank you.
temps pour Acrobat des Andes. Pour deux des plus gros joueurs de CES2 japonais. Avec en P1 King Devu Ragoum et en P2 Mizotel-san avec son Kagoum. Vous pouvez constater la présence de Blanca dans les dessus. On se pose la question. Pourquoi ? Alors, King Devu, il faut préciser, rouler sur cette compétition, surtout le long de la strike. De son propre aveu, Mizotero, qui avait peur de le rencontrer, cette fois-ci va devoir affronter ses propres démons. Voilà, les RC, électricité. La descente, super, les RC. Ouais, bien, la famille qui est passée en ce moment. La shot qui passe. On s'observe. Ça rate, c'est normal. La shot, bien vu. Mizotero qui fait une très très bonne entame de match. Voilà, l'électricité. Ah, super, super. Ça y est. RC électricité, toujours. Le... Ouais, en haut. Et quelqu'un se met. Hey. Et ouais. Ça rigole pas. À gros, mon pote. Il n'a rien raté. Rien. N'importe quel cycle que tu passes, il n'a pas raté. Allez, c'est parti. Les autres, ils n'ont pas se décourager. Voilà, je suis fait, bien vu. Eh oui. Et King Devu qui a raté ses RC. Allez. Voilà, le dictateur. Marque de fabrique. Oh là là, la punition, super. Très bien vu. La relevée. Oh là là, c'est son vide, voilà. Deux fois, il a raté son combo. Et le stade. C'est tendu, ils ont fait un super match, fantastique. Ouais. Voilà, King Devu qui se reprend. Voilà. Attention, ça barre d'un groupe qui va être plein bientôt. Voilà, allez, il a craqué, il a craqué. Il a craqué complètement. Ouais. Bah, c'est en prévision de Justin Fett qui fait ça. Ouais. C'est ça. Aïe 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 aïe. Il a raté son RC torse. Il a raté son RC torse. Allez Gambate qui nous a. Allez Sakura. Voilà, tu mets dans toi la punition. Le Justin Fett. Il passe. Il a raté ton gros, c'est pas grave. Voilà, ça gagne qui c'est survivre. Il y a une level 3, c'est dangereux. Attention, mais Sakura, tu peux déclencher la groupe quand elle veut. Voilà, et ça, ça c'est du doigt en live. Si je te laisse pas tomber, je continue mon combo. Allez, aux deux adversaires, à égalité, zéro barre des deux côtés, ça recharge aussi vite que la zone. Oui, RC Tatsu. RC Tatsu avance, bienvenue la déchante. Oh là là, il est bloqué dans le coin. Oui, super, super, c'est l'étalage depuis le début, RC tellement, tellement, le blanc est inexistant. Pourtant, il se défend, la barre de garde, la barre de garde. C'est dangereux. Ils étaient en haut. On a vu son dernier mot. Oula, il a raté. Il a raté cette furie. Il a raté complètement. Eh ouais, mais non. Eh ouais, il le sait. Il le sait. Le Persiano. C'est là-dessous. Voilà. Le Tatsu fait la chance. Ouais. Il utilise le casque. Il s'en fout. Et Tatsu. Et voilà. Et la barre de garde. La barre de garde, ça fait mal. Bien, 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 pareil. Non, 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 non. Le gros ça. C'est déjà. Ils ont tourné, ils vont absolument, absolument faire un Justin Fett. Là c'est Justin Fett et là ça level 3. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oh là là, c'est tendu.
Et le temps qui tourne. Voilà, qui l'a vu. C'est un but. Et c'est reparti, cette fois-ci, il est vu la tête craquer. Là, on voit la même chose. Ah, ok. Ok. Super bien vu de la part de Mizotero qui ne démonte pas. Voilà, qui est vu qui finit par une choc. Ce dive trop proche. Bien vu. Les adversaires qui s'observent. Avantage, encore une fois, pour Mizotero. Ah, décidément. Ce match-up, Camille Blanca est à l'avantage de Mizotero. Voilà, l'électricité. Ouais, bien vu. La barre de garde, ça devient dangereux pour Mizotero. Il a passé à faire une équizone. Hey. C'est beau. Oh oui, il avait vu. Lui, monsieur. On ne saute pas sur Camille comme ça. Allez, le dictateur de King Lemu, cette fois-ci, il a l'air plus chaud, voilà, qui ne rentrera plus, merci. Oh là là, cette échoppe, c'est des fous. Bien vu, voilà. Les étudiants qui avaient choisi le trade sur ce coup et qui se fait gratter. Bien joué de la part de King Lemu. Un perso partout. Ah, la punition, elle était où? Voilà, le Sagat. Ah, dommage. Ok, il a essayé de faire un coup, les Jolty Fan. Ah, il a raté, mais je crois que ça cause, Bestie. Allez. Voilà, Sagat qui reste prudent, il le sait. Une erreur, et c'est 70% de sa barre, il s'en va. Oh. Oui. C'est à la choc. Oui. Voilà, attention. À droite, à gauche. Ouais, le RC, il s'en fout. Le RC. Ah. Oui. Incroyable. Ce mental en or, il ne se démonte pas. Il a gardé son calme et il a mis le combo. Fury. Propre. Ok. C'est Sakura qui a fait des miracles tout à l'heure. Qui a complètement trouvé le Sagat. Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, ils ont fait autre chose de tactique, ils sautent un peu plus pour éviter les tatsus, pour éviter les boules. Voilà, le Jolty Fan, ça passe bien. Ah, attention, elle passe attention, et voilà, la barre, regarde. Oh, le casse-garde, t'as vu. Cette fois-ci, oui, Emiso qui avait raté son Jolty Fan. Et il s'accroît cette fois-ci un petit peu entamé, mais avec sa barre pleine. Attention. Est-ce que Kinevu va garder la mainmise? Est-ce que Mizotero va se craquer cette fois-ci? Oulala, on n'est pas à l'abri d'un déclenchement de A. C'est très chaud, c'est électrique ce qui passe. Ouh, très bien vu de la part de Mizotero. Oh oui! Oui, parce qu'il faut préciser, quand Agroove, quand il est déclenché, on n'a pas de garde. Et puis il y a eu un mind game de je t'en fais la Fury Bull, je t'en fais pas, et c'est l'autre qui est sorti. Mais pendant que je parle, on est déjà à 75% de la barre de Agroove. Tout est encore possible. Avec l'énergie Kablanka, un combo à Agroove, et c'est terminé. Des champs incroyables.
incroyable. Voilà, attention, et la barre, maintenant elle est pleine. Il va falloir l'observation. Oh oh, je crois que c'est terminé. Et là, fini. Super. Dommage. Dommage. Aïe. Il semble que je t'ai roué. Il avait pourtant bien joué. Allez, comme d'habitude, je t'aime ça. On les applaudit encore pour ce spectacle incroyable qu'on nous offre. Allez! Le Blanca, voilà le Blanca cette fois, qui joue plus simplement. RC Électricité, pas simple à faire. Et voilà, qui ne veut plus faire ça, tranquillement. Super, oh, les réflexes. Il a vu le dash, il a mis le canon. Voilà, l'électricité peut gratter. Et attention, c'est dangereux. Alors, il a été obligé. Il est obligé de le faire. Et il espère que la barre de Fury du Cadron va se terminer. Oh non! Non! Très bien vu. La barre. Oui! Ouais. Super mise au théo. Allez. Nathalie qui a fait un bon job, on se décache, super. Oh, le RC torse sur le dragon. Il a sorti la chope, il n'a pas à choper. Ouais, c'est dangereux. Oh, le décalage, super. Il n'a pas eu peur. Allez, il ne faut rien lâcher. Voilà, il est dans le coin, c'est dangereux. Hey, regardez cette barre qui s'en va. Aïe, c'est un coup moral de Lizoko. Oh là là, il a raté, juste un temps. Non, cette punition. Et il s'en veut. Il s'en veut, il aurait pu revenir. Et là, la différence se creuse. Alors que Lizoko avait l'avantage. Complètement. C'est une des vues de son dictateur. RC, Stomp, il s'en fout. Il les verse à toutes les sauces. La déchoppe. Ah, dommage. Ouais, voilà, petit Patrick. Il joue bien au tout démocrat. Voilà, attention, le dictateur. Qui a son agro. Il est dans le coin. Et c'est tendu. Voilà. Hey. Il va le gratter. Ah, il a raté. Mais tout à la chope quand même. Oh là là. Aïe. C'est très très mal engagé. Ouais. Bien vu. Bien vu de la part de Lizoko. Allez, l'esprit samouraï, l'esprit shonen. Ouais, on peut le faire. Que là, c'est quoi? Ça va, et qu'elle a rempli très vite. Oui, c'est dans sa arrière, t'es vite. C'est dangereux. On s'approche de la fin de cette finale winner. On s'approche de la fin. Il a raté. Et le agro, je vous annonce d'ores et déjà. Je vous annonce. T'as mis au courant, est-ce que tu vas me faire mentir? Fais-moi mentir, s'il te plaît. Vas-y, parce que là. Complètement dégoûté, le guac à son meilleur. Zannen, j'espère. Super, un tonnerre d'applaudissements pour Mizoteru, qui a très bien joué.
magique. On réinstalle le jeu. Enfin, on met le bis. Sylvain, devant la caméra. Et quelque part, je participe à cette finale loser avec Mizuteo qui va jouer avec mon stick. Et je tiens, heureusement qu'il ne comprend pas trop le français, mais il a ragé complètement sur mon stick tout à l'heure contre le même Mr. Broken. Il l'avait battu, mais c'était tendu. Il voulait dévorer ce stick qui ne répondait pas à toutes ses attentes. Malheureusement, on en a deux. Il a quand même préféré le Namco bleu au stick dégueulasse de Waldo. Parce qu'il a vu les combos ratés de Waldo. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Allez. Ok. Il me fait mentir. Finalement, il prend le stick de Walid. Un maximum de bruit pour le dernier représentant.
CVS2, encore Alice. Mr. Rocken contre Misotero. C'est Groove contre Car. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au triplé d'hier, il ne faisait aucun doute que Misotero était grand, grand favori. Mais, voilà, Mr. Rocken, si il arrive à punir les défauts, voilà, de 3 hits. Deux gros points d'un but. Et je vous fais l'effet à 2 pour s'en aller. Et la barre de garde qui est là pour rappeler qu'il fait mal. Et il avait vu ce qu'on a dit. Et voilà l'électricité. Deux gros points, bien vu. Bien vu. Mr. Rocken qui défend très bien. La garde. Voilà, il s'en fout. Ah, dommage. Ça manque de Marcel Dostoy. Ou peut-être qu'il se retient parce qu'il a peur de Jeff Buffet. Voilà, le Marcel Dostoy. Le gros point, il varie très bien. Ah, le Jeff Buffet, il le remet dans le coin. Oui, le coup de cul. Voilà, doucement. Faut pas craquer, reste un broquet. Ah oui. C'est ça, Tonton. Allez, faut rien lâcher. Don't relax yet. Allez. Voilà, on s'observe. Alors, c'est... Ouais, la roulade et roulade de Stoy ne s'est pas passé. La Camille, oui, bien vu, ça, ce décalage du Jeff Buffet. Encore une fois. Oh là là, ce taf. Le taf. Il paraît de rater. La chope. Non, il va se faire gratter. Et oui, il va se faire gratter. Mais il a fait le taf. Il a fait le taf. Allez. Le gars. Misotero, qui est patient. Voilà, va pas falloir se presser. Aïe. La danse du Jeff Buffet. Ah ouais, les gros points qui sortent. Bon, ça va pas professionnel. Oh, le drame, incroyable, Misotero qui est en train de revenir. Mr. Rocken qui se casse. Oui, ah, il n'y a pas eu punition. Et là, le lentilleur qui sort pas. Et le dragon dans le flash kick. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Allez, Mr. Rocken, on se reprend. Non, là, c'est pas possible. Allez. Non, le bon point, c'était mauvaise décision. Et Misotero qui revient. Et la barre de Kagrou qui est là qui va faire mal au prochain round. Tami contre Tami. Pas mis la garde en bas, parce qu'en plus, non seulement ce coup est pété, mais il tape en bas en plus. Oui, non, qu'est-ce que c'était que ça? Fallait mettre un gros point de furie là. Fallait débarrasser cette canette qui est dangereuse maintenant. Ouais, bien descend. Super. Ou heureusement qu'il a pas mis la. Super, attends. Non, mauvaise gestion. Mais ça va, il peut s'en sortir. Il a ses 3 barres. Faut pas être radin, il faut se débarrasser de cette canette en premier. Super, incroyable, le gars qui déchappe tout. Et oui, le coup qui tape en bas. Bien vu, là, c'est du sub, regardez. Non. Allez, Mr. Broker. Le jeu qui fait, qui sort, qui fait mal. Heureusement, là c'est bon. Non, encore une fois, le décalage, oui, c'est bon ça. C'est tendu. Voilà. À 200 de taille. Allez, Mr. Rocken, faut pas abandonner. Donc, get up. Vous avez vu cet angle incroyable. Voilà, Dashop. Allez, gros point. Mais gros pied, n'importe quoi. Et ce gros pied, carrément, c'est une petite coulisse. Non, il connaît ça. Faut pas lui faire ça. Une fois, oui. Voilà. Alors, c'est du joli. Dans l'air bête, c'est chiant comme ça. Cette gestion de distance incroyable. Voilà, là c'était mieux du Jasper. Elle en haut. Bien gardé. Voilà. Attention, c'est très dangereux pour Camille qui n'a pas beaucoup de vie. Et les 3 barres. Est-ce qu'il va mourir sans son pif? C'est tendu. Est-ce que ça arrive à la fin? Oui. Non. C'était vu. Et encore, il n'a pas mis la boule. Allez, Mr. Rocken.
choix de personnage. Pourtant, ils ont le droit. Voilà, juste avant que tu réfléchis. Alors, il me semble qu'il a changé l'ordre. Voilà, il a mis Gaël en premier. Pourtant, le match-up contre Blanca va être un peu plus rude au costume. Bien vu, pour le moment, il se défend bien. La déchoppe. Donc un petit peu presque, il a déjà dans le coin. Et la barre de garde, la barre de garde. Oui. La chope qui annule l'électricité. Heureusement que Blanca n'a pas fait la cuisson qui s'arrange. Allez, 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 la barre de garde. Voilà. Il va être obligé d'attaquer pour éviter de se faire garder. Non, 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 dommage. J'avais vu cette action, mais mauvaise décision. Non, non, non. Ça paraît pas bien. Ouais, ouais, il avait vu ce whiff. Chapeau, chapeau à Miguel Pérou. Allez, Longa, quoi il fait, le miracle. Avec ce petit RC, il peut revenir. Il se montre patient. Voilà. Tout à l'heure, on a assisté au combat de Mr. Bancal avec Miguel Pérou en phase de l'honneur. Il y a eu une phase très bizarre où les deux adversaires se sont observés pendant 30 secondes. J'espère qu'on ne verra pas ça. Pour le moment, ça n'a pas l'air. En tout cas, il rate son Arsenovkoï. Ça traite du coup. Et le Londa qui se fait gratter. Ça paraît très très mal engagé. Ah ouais. Voilà. Oh là là, ça va prendre ses punitions. Voilà, oh oui. Allez, Mr. Bancal. Définitivement l'avantage psychologique et technique. Ouais, 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 ouais. Allez! Courage, courage, juste avant que. Yes, you can! Ok. On va assister à un strike. Ok. Oh là là! Oh là là! Bon, je crois qu'on est en train de voir une leçon de l'air statique. Allez, Mr. Bancal. Allez. Oui. Voilà, il avait lu dans le tagnage. Et la barre de garde. Et Camille fait une vie en mousse. Et c'est chaud. Et voilà. Heureusement, la punition n'est pas maximale, mais c'est pas grave. Camille, qui va peut-être se faire striker, c'est pas possible. Il faut sauver l'honneur là. On va lui faire la victoire. Oui. Voilà, merci. Merci. Allez. Question bancaire, tout est possible. Aïe aïe aïe, la Camille contre la Camille. Il peut. C'est le rassemble. Voilà. Le tachop encore une fois. Ouais, mais là, il se fait qui font mal. Oh là là, ce décalage. Bravo. Ouh, bien vu. Bien vu la garde. Mais là, on va se gratter. Il va se gratter. Ah, il va se gratter. Il s'en fout. Il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Au prochain coup, c'est terminé. Au prochain coup, c'est terminé. Non, oh là non, oh là non. Merci. 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 Bonne leçon. Bravo. Et donc, la grande finale. Ça discute. Stick et position. Ah, Sylvain. Fight!
Voilà, c'était sans être pour vous, c'était gratuit, c'était pour vous. Le mec, même le light, il a mis. Il a raté. Oh, c'est pas grave.
La Bishop. Le Véron, qui mal au point. Voilà, il a fait. C'était super, super. Devant derrière, il reste le cross-up. Oh là là, c'est tout là, incroyable. Et là, c'est le drap. Et là, c'est le drap. Et qui l'a vu? Qui l'a vu? Qui prend une grosse, grosse option sur la victoire? Les Japonais, qui à chacune de leur venue, leur participation, ont toujours remporté les finales de CES2 du Stade Fest. Allez les gars, on encourage les Otalous! Allez! Ouais! Il a bébé. Ah voilà, ça va dans mon sens. La Bishop, le bon point, le canon. Voilà, le gros coup de pire. Oh le RC Goul. Super, ça a bien vu. Voilà la canine qui vient là. On va le RC Christophe qui fait mal. Attention à la barre de vie. Attention au canon. Voilà, super. Et c'est possible. Oh, incroyable. Super. Elle a raté. Il a fait RC. Il a fait RC. Incroyable, incroyable ce qu'il a fait. Dans une situation qu'il ne pouvait pas garder. Il a utilisé le côté de la roulade. Aïe 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 aïe. Et les étoiles qui s'en veut. Allez. C'est qui c'était toujours. Voilà, le Sagat. Elle le dégage. Un Sagat intense, incroyable. C'est des vues qui est incroyable. Voilà, là il s'est garni. Dommage, ça ne passe pas. Voilà, Draco, on s'en fout. Il faut se débarrasser de ce bord. Oh, voilà. Bien, bien, bien. Thank you.
avoir les lots? Est-ce qu'on peut avoir la coupe, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a des... Non, non, personne. On s'en fout, hein. Un petit dernier round d'applaudissements pour qu'il n'ait vu le champion Stade 2013. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Quatre. Et comme Malek et Zouzou le disent, oh my brother, testify!